Ali Touré, tout ce qu'on fait sur cette terre, nous allons récolter ici et à l'au-delà. Ali Touré, malgré que les journalistes ont dénoncé plusieurs cas de détournement, et l'inspecteur de l'État, du régime CNRD, a fait le rapport accablant, parlant de plus de 44 milliards de nos francs évaporés. L'inspecteur de l'État. Dans le dossier, Charles Wright, Ousmane Gawal Diallo, Bernard Gomou, Moussa Cissé, la CRIEF Ali Touré a classé l'affaire sans suite. Pendant ce temps, les docteurs Kassori, les docteurs Diané, les Damaro, M. Oye Gilavogui, ainsi de suite. Tout ceci la croupisse en prison. Ali Touré, Wallahi, Allah Mouhéri Rabba. Tu as vu comment Charles Wright est parti, non? Ali Touré. Vous avez vu comme Charles Wright a fini. Wallahi, Oubira Bamane. Vous allez tromper le peuple, mais Allah subhanahu wa ta'ala ta. Vous n'allez pas tromper le bon Dieu. Tant que ces personnalités croupissent en prison, tu ne peux pas comparer Gomu à Dr Kassori. Ils n'ont pas le même niveau, même expérience, même savoir-faire. Mais ceux-ci croupissent en prison. Vous dites que dans le dossier de ces gens-là, qu'il n'y a rien. Ousmane Gawal, son département qu'il a géré, même le terrain qu'il a vendu au ministère de la Sécurité appartenait à l'État guinéen. Mais on ne parle pas de ça. Ali Touré, tu viens te flanquer. Que non, vous avez vu, depuis l'arrivée du CNRD, 3 ans, 3 ans, l'inspecteur de l'État fait le rapport, malgré que c'est des milliards et des milliards. Mais l'inspecteur, ils ont eu le courage de dire au peuple de Guinée, 44 milliards évaporés. Comme 44, prenons les 44 milliards, se sont évaporés. Mais la CRIEF est là. La CRIEF ne peut pas nous dire où est part, c'est-à-dire où sont partis les 44 milliards. Vous humiliez des gens. Monsieur Lucien Camara est mort en prison. Non, mais franchement, Ali Touré. Ali Touré, vous n'avez pas. Imouyagi m'a fait où? Mais je t'ai dit, ce que tu es en train de faire, Mouta Abirikolo, Walloy Anondi Minimane, Itana Yagima, Ali Touré. Les magouilles que vous faites, l'équipe que vous mettez en place pour aller corrompre les gens, de donner de l'argent, pour blanchir. Vous avez montré au monde entier que c'est la justice des vainqueurs, la justice des plus forts. C'est ce que vous avez montré. Et regardez le pays. Tous les Guinéens sont unanimes. La gestion du temps du président Fakonde est le temps que vous venez de faire 3 ans. Vous qui luttez contre la corruption. Les ministères aujourd'hui n'arrivent pas à payer les fonctionnaires. Mais ceux dont vous avez appelé les voleurs là, les 19 200 personnes travaillaient. Ils étaient tous payés. Autant misé Falama la Guinée Kébé. Kafouyante Yaramara. Kakalabante Yaramara. Ali Touré. Mais expliquez aux Guinéens. Vous vous dites que vous luttez contre la corruption. Mais depuis que vous êtes venu, les fonctionnaires, on ne peut pas les payer. Mais vous êtes en train d'humilier ces personnalités en prison. Ah, Ali Touré. Le temps là va venir, tu vas avoir la honte de ta vie, Ali Touré. Iyagimane. Tu auras honte, Ali Touré. Mais franchement, vous ne voyez pas que ça, c'est insulter le peuple de Guinée. L'inspecteur de l'État fait son rapport. Ils vont enquêter sur tous les départements. Et ils trouvent des milliards sont partis. Ils ont fait sortir l'argent, mais rien n'a été fait avec cet argent. Et Ali Touré, le fanfaron de Ali Touré, coprocureur de la CRIEF, ce fanfaron se flanque aujourd'hui et il dit sans suite. L'affaire de Gomu qui a été Premier ministre, Charles Wright qui a été ministre de la Justice, où Babila a mis devant tout le monde en nuit
les détournements, les marchés de gré à gré. Mais si c'est le docteur Kassori, parce que c'est ce régime, voilà, Doumbouya a renversé. Oui, ces gens-là, il faut les appeler voleurs, il faut les garder, malgré que dans leur dossier, il n'y a rien. Ali Touré s'est flanqué devant la télévision nationale. Ali Touré, le fanfaron, il s'est flanqué devant les Guinéens ici. Qu'au docteur Kassori a une banque aux États-Unis ici. Tellement que le type, c'était un villageois, un calabanté, un bon à rien. Il ne connaît même pas le système bancaire. Quand vous demandez à quelqu'un, mais vous avez une maison aux États-Unis. Si docteur Kassori n'a même pas un château aux États-Unis, on doit lui demander même. Mais tout le monde connaît la petite maison de docteur Kassori ici. Il y a des Guinéens ici qui n'ont même pas été à l'école. Ils ont des grandes maisons. Un docteur, hein. C'est seulement en Afrique qu'on peut dire à un docteur voleur. Mais chez les Blancs ici, on te dit docteur. Ceux qui ont le titre de docteur Kassori, là, si vous voyez leur maison ici, toi, le villageois de Alice Touré, tu ne vas pas ouvrir ta gueule. Mais comme le monsieur dit, c'est ma banque qui a acheté. Parce que quand vous avez un bon crédit ici, aux États-Unis, vous pouvez tout gagner. Mais le villageois, il s'est flanqué devant le peuple de Guinée. Au docteur Kassori, parce qu'il avait dit que sa banque avait acheté, l'avait aidé, et ça, c'est comme ça se passe. Mais le villageois, comme il n'y a pas ce système bancaire, et le villageois n'avait pas commencé à voyager, le villageois de Ali Touré a accusé docteur Kassori qu'il a une banque, parce qu'il a dit c'est ma banque qui a acheté. Mais ça dit lui-même, il sait que docteur Kassori, c'est quelqu'un de grand, c'est un économiste. Il pensait que docteur Kassori avait une banque aux États-Unis pour lui-même. Il ne s'est pas limité là. Sheraton, il dit que Dr. Kassori est actionnaire. Plaza Diamond, que Dr. Kassori est actionnaire. Le plan de riposte de Covid que Dr. Kassori avait préparé pour que les partenaires nous aident, le président Alpha Condé n'avait même pas accepté. Mais le plan de riposte était dans les tiroirs. Ce même villageois de Ali Touré, le plan de riposte de Covid, je crois 40 et quelques millions comme ça, le villageois est venu accuser Dr. Kassori. Pourtant, l'argent n'a jamais été donné à la Guinée. À plus forte raison, Dr. Kassori, géré. On a fini tout ça. Ils ont parlé, ils ont accusé le monsieur. Il n'y avait rien dans ce dossier. Le même Ali Touré, le fanfaron, il est venu se flanquer devant le peuple de Guinée encore, Komamri. Ah non. Wallahi, Allah ne peut pas aider la Guinée. Je vous jure. Tant que Kalabante et Namorabourouma, Kalabante et Kalabante Arabafe, Dibor Moussiga Madede, des gens comme les Ali Touré. Maintenant, on dit Mamri. Kamedi, son savoir-faire. C'est pourquoi je prenais l'exemple de Bernard Gomou. Docteur Kassori, c'est un génie. Docteur Kassori, c'est un docteur. Un docteur, il fabrique. Docteur, il vaccin, il fait bébé la bamane. N'est-ce médecine, oui. Mais étant économique, oui. Agnès, en Afrique. Beaucoup de programmes de développement. Docteur Kassori Nera Fouyante, Mamri, un autre projet que Docteur Kassori a créé. Le villageois, le budget de Mamri, qui ne dépasse même pas 15 milliards de nos francs, 1 million et demi. Son budget à lui, en tant que Premier ministre, dépasse 10 fois ou 100 fois même, je vais dire, ce petit montant dont on l'accuse aujourd'hui. Un département qui n'est même pas rattaché à la primature. Mais le fanfaron de Ali Touré s'est flanqué encore tout dernièrement. Après avoir accusé de Dr. Kassori de tout, ce même fanfaron de Ali Touré vient nous parler que non, budget de Mamri, que c'est ce que Dr. Kassori a dit. La Guinée s'est gamaminde. Lui, il a le courage aujourd'hui de venir s'asseoir devant tout le monde. Pendant qu'on monte les docteurs Kassori, les anciens à la télé, les Gomou, les autres, les Ousmane Gawal, ils ne sont pas passés devant la Krief. On humilie les Damaro, les docteurs Diané matin, midi, soir. Vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va avoir pitié de nous? Tant que ces fanfarons, ces calamantés comme les Ali Touré sont en train de faire ce qu'ils veulent de la justice, et Dieu est juste, Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas la Bible, le Coran, tous ces livres saints. Il n'y a pas d'injustice. Ils prêtent serment sur le Coran pour dire qu'ils vont tracher. Otambe ala noma kinikinide mutama. Enamri rumbeira yara bife. Hein? Pendant ce temps, eux, ils sortent. Les Bernard Gomou, les Ousmane Gawal, ils n'ont même pas mis pied. On ne les a pas montrés devant le peuple. Mais quand il s'agit de rabaisser les personnalités, ces gens-là,
Les Guinéens ont dit qu'ils étaient tous contents de cette histoire de Krief. Mais c'est ça la Krief. Depuis que Mamadi est venu, on parle de corruption. Les immeubles poussent à Conakry. Tous les nouveaux ministres de Mamadi Doumbouya, ils ont tous des maisons aujourd'hui. Otambe, Allah, que Dieu peut nous aider. C'est-à-dire, ce qui me met en colère, voici ce genre de choses. Vous ne voulez pas qu'on parle. Vous fermez les médias. C'est ça. C'est-à-dire, le régime de Mamadi Doumbouya, on ne doit pas parler des anciens. Depuis que Mamadi est venu, quel ministre on a inculpé? Mais les immeubles poussent à Conakry et nous connaissons le terrain. Tous les Charles Wright et Rabangui, Charles Wright, toute sa famille en Europe, le salaire de Charles Wright, c'est combien? Il a deux femmes en Europe. Restaurant pour sa soeur, Nakob Rebirimba Minde. Mais Ali Touré, tu viens te flanquer aujourd'hui. Parce que Nenao Thierry, toi et puis le fanfaron, actuel co-procureur de la République, Fall Doumbouya. Otambe dit, hey, on avait prévenu Charles Wright ici quand il était procureur. Il a fait cette injustice. Il est devenu ministre. Mais je l'avais prévenu. J'ai dit, Charles, va doucement. J'ai dit, Charles, va doucement. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Il voulait la... Tu vas mentir, tu vas beau mentir, tu vas rabaisser. Mais vous avez vu comment Charles est fini. Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous mérira, Yarabi. Il t'a mis un bébé. Wallahi, Allah mou pressema. Tu vas payer ici dans ce bas monde. Et à l'au-delà, tu vas payer. Birakolo, va faire. Donc, désolé. Que Frère Mbarabo follow. Donc, Charles Wright, on a tous vu la fin. Ali Touré, il a remanié à Rounanama. Tout ce que vous gagnez aujourd'hui, des milliards que vous prenez pour mentir, sachez une chose, rien n'est éternel. A Birilumane dans ce bas monde. Ono Hassanat Negeis Gama Gabur Kui, c'est ce qui va vous sauver. Cette vie est éphémère. Mreina Farama chaque jour. Même ceux qui ont vu ma page aujourd'hui, une camarade, comme une sœur à moi, à Kissos, on a grandi. Elle est partie aujourd'hui dans les trentaines. Dounia, Mreina Farama chaque jour, Mreina Farama. B, l'oro et l'oro, Charles. Charles aurait été fait, moi, Falane Birim, bébé. Et tout le monde a vu. Merci, Ali Touré, vous pensez, oh lama, parce que le problème de Dr. Kassori, c'est la tête du RPG à Narafini Kandidara. On nous voulait là-bas, on voulait d'or, on Kamedi Tonyere. Wallahi, Allah Tonyere Mane. Wallahi, Dieu. Ça dit, même si ce n'est pas dans ce bas monde, Al-Kiyama, on n'a pas de bas monde. Wallahi, wa bini sarifi mane. On me renere bini torok. On voulait nere rabar, on kobri nere. Amo mouna fama, amo mouna fa duniabe, amo mouna fa Al-Kiyama. Oto mere Tonyere Manaki. Vous humiliez ces gens-là, c'est papa des gens. Vous avez saisi leur passeport. Vous avez gelé leur compte. Des personnalités qui ont étudié, qui n'ont pas triché comme vous, qui n'ont pas brûlé les étapes. Ils ont le mérite. Tous des docteurs. On a Nira Yerabifé. Vos amis, les Charles Wright, qui a deux familles, ça dit deux femmes en Europe, en Aradi. Charles Wright, les maisons qu'il a construites tout récemment, qu'on a créées. Anakobi Baraminde. Charles Wright, qui vient de devenir ministre. Charles Wright, comment Charles Wright peut entretenir deux familles en Europe? Odor ou les Fari. Oama Naga Nabaf, Obena Nabam, Allah Betan Lour. Walloy, Ali Touré, Igbe, Adangi Mane Charles Wright Bera. Je te jure que tu vas mal finir que Charles Wright. Allah Baraguet, en débade Natanga Haketama. Parce que lui se gonflait un moment, Allah Mounoma dégonflé. Mais Bera Toro, à Charles Wright, c'est la Kianaka. Hake, Maranana Falaobe. La Greke, tu dois ou n'est pas ma. Allah Ranon di Mali. Otambe, dois ou ordinaire. Les bœufs que vous partez tuer là, Walloy, Nab Douaou, la majorité des Guinéens, le fait de dire Allah Ranon di Rabba. Borra, Herina Narankoui, Nanana Bama. C'est comme si vous ne prenez même pas l'exemple sur Pharaon. Tout ça, c'est dans le Coran, dans la Bible. Ça, c'est un rappel pour les leaders. L'histoire du Pharaon, ça, c'est l'orgueil. L'orgueil de Pharaon. On a vu la fin de Pharaon, comment il est parti.
Tout ça, ce sont des exemples pour tous ces gens qui pensent qu'ils sont intouchables. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas pressé. Je vous ai parlé de l'exemple de Dadis. Le proche de Dadis, certains pensaient que non, non, non. Avec les armes, tourner, tourner, tourner. Dadis, non, il n'y a rien qui va arriver. Mes familles, vous avez tous été témoins de ce qui s'est passé. Vous avez été tous témoins de ce qui s'est passé. Dadis lui-même, il s'est déplacé pour aller derrière Toumba. Dadis pouvait mobiliser tout le camp Al-Fayaya pour aller arrêter Toumba. Ou même le camp Makambo, donner de l'ordre à l'état-major. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu qui... Je dis, on est en train de parler. Mais ce que Dieu a décidé, voilà, c'est ce qui va se passer. Non, Fatmata, je ne peux pas allumer le clim. Quand je vais allumer, il aura un peu de bruit. Je ne vais pas faire de bruit. Je préfère parler comme ça. Donc, comme je l'ai dit, Nahake, on a vu Dadis, s'il était resté seul là-bas, ce qui arrivait à Dadis n'allait pas arriver. Mais tout ça, c'est Dieu. Mamadi, le cas de Mamadi, wallahi, ça va être pire. Le cas de Mamadi, ça va être pire. Le cas de Mamadi. Je vous ai parlé, mais vous ne comprenez pas. Je vous ai toujours parlé, vous ne comprenez pas. Voilà. Attendez, hein. Je vais... Donc, ça c'est le cas de Ali Touré. Si tu, Khaïoua, tu as juré sur le Coran, procureur, vous jurez sur le Coran parce que tu es musulman, de dire la vérité, rien que la vérité. Onu wule fala, nana onu ala nantagi. Vous êtes les représentants de Dieu sur terre. Vous avez blanchi les Gomou, les Charles Wright, les Ali, les Ousmane Gawal, Sissé, ainsi de suite. Qu'au sans suite, pourtant la justice guinéenne, rien dans les dossiers de Dr. Kassori, mais vous n'avez pas classé ça sans suite. Vous les gardez. Et chaque fois, la justice même demande de libérer ces gens-là sur condition. Toi, le fanfaron de Ali Touré, tu t'es toujours interposé. Ongaïto, Yakolo, ton pouvoir est lié à Mamadi. Mamadi nous bira l'or, il finit ma blakoro nana. Walloy, Ali Touré. Il finit ma blakoro nana Konakri. Personne. Toi, même dossier, il va sauter ma co-procureur. Miguomi, considérez ma son nom. Aura pouvoir. C'est pourquoi vous êtes en train de voler. Parce que vous vous dites plan B. Vous vous dites que après cette transition, c'est fini pour vous. Comment c'est comprendre aussi. Moubara Waya, maintenant, je vais m'adresser à nos amis. Vous savez, UFDG, je vous ai déjà prévenu. Parce qu'il y a toujours des bonnes personnes au sein du CNRD. Et vous savez, on dit l'État, c'est la continuité. Ils ont étudié. Et eux, ils n'ont pas les moyens comme nous d'être en Occident. Ils sont en Guinée. Ils travaillent dans l'administration. Ils voient beaucoup de choses. Ils n'aiment pas. Ils n'ont pas le choix. Donc, je vous ai alerté déjà le plan machiavélique de Mamadi Doumbouya de détruire l'UFDG. Ousmane Gawal, vous avez vu aujourd'hui sur la page de Pitaka, certains fédéraux de l'UFDG qui apportent leur soutien flagrant à Ousmane Gawal. Parce que l'argent qui a été mobilisé, déjà, je vous ai parlé de beaucoup de jeunes de l'Axe. Avec le programme de Nicaragua, beaucoup sont venus, plus de 600 jeunes, tous financés avec l'État, l'argent de l'État guinéen. Ils ont fait tout ça parce qu'ils ont peur. Que c'était les grands mobilisateurs au sein de l'UFDG. Donc, plus de 600 personnes, ce qu'ils ont fait venir par Nicaragua. Mais ils ne veulent pas s'arrêter là. Ils continuent toujours, les fédéraux de l'UFDG. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas de dignité face à l'argent. Ils n'ont pas de dignité. Donc, ils se disent, ce qu'ils allaient gagner avec El Asselou Dalé, Ousmane Gawal les promet cela avec le bandit Mamadi Doumbouya. Et vous voyez, ces gens-là aujourd'hui commencent à parler. Ousmane Gawal doit être réintégré. Mais tout ça, ça fait partie de leur plan.
Ils veulent tout faire pour imposer Ousmane Gawal à la tête de l'UFDG. Ce n'est pas pour dire que Ousmane Gawal va devenir président. Ousmane Gawal, vous avez vu les mouvements que les amis de Ousmane Gawal, des millions et des millions en dollars, parce que quand on parle de milliards, voilà, 10 milliards déjà, c'est plus de 1 million en dollars. Donc, des milliards en francs guinéens qu'on est en train de mobiliser pour acheter leur conscience aujourd'hui. Et comme ça, ils vont dégager El Hassan Dalé, que c'est Ousmane Gawal qui est le patron de l'UFDG. Sinon, le fanfaron lui-même, en 2020, quand il était l'invité dans les radios de Espace, pourtant il avait dit que lui, il ne peut pas griller les étapes, qu'il y a des leaders avant lui. Il ne dépasse pas Selou Baldé, il ne dépasse pas Kalemodou Yassane, il ne dépasse pas M. Fode Oussou, il ne dépasse pas les Aliou, je crois, Aliou Touré ou quoi là. Aliou Kondé plutôt. Il ne dépasse pas l'ex-gouverneur de la banque centrale. Il ne dépasse pas ces gens-là au sein de l'UFDG. Ousmane est juste un calabanté, un simple fanfaron. Mais comme il a en mission de l'UFD, du CNRD, il faut à tout prix créer des polémiques. Lorsque ils ont enlevé Ousmane Gawa et l'autre là, comment je vais dire, Baouri, dans le parti, mais on a tous vu ici la réaction de Ousmane Gawa, que le mariage forcé est aboli depuis longtemps dans notre pays. Voilà, excusez. Que le mariage forcé est aboli, que personne ne va les imposer de reprendre Baouri, que si Baouri était sûr de son leadership, que Baouri allait créer un parti où il allait partir avec ses militants. Pourquoi Ousmane Gawal, qui n'est ni fondateur de l'UFDG, Baouri qui était l'un des fondateurs, Baouri n'a pas insisté, Baouri est parti ailleurs, Baouri est à la tête d'un autre parti. Pourtant, lui-même, il avait dit que même la décision de justice ne pourra pas faire revenir Baouri. Pourquoi c'est le même fanfaron Ousmane Gawal qui insiste aujourd'hui. Tout ça, Dieu, c'est pourquoi je dis tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Tous ces vars-là sont là. Ces archives-là sont là. Hein? Il faudrait que Ousmane Gawal arrête ses bêtises. Nous ne voulons pas de désordre dans notre pays. Nous ne voulons pas de désordre dans notre pays. Il a été suspendu. La suspension, c'est 2 ans. Si aujourd'hui, tu prends de l'argent au sein du CNRD, que toi, ton objectif, d'abord, tu sais que tu ne peux pas être président en Guinée. Même être simple, si ce n'est pas l'UFDG, Ousmane Gawal, toi, tu peux être député où? Et tu viens quand tu veux embrouiller. Il ne faut même pas que l'UFDG donne du temps à ce fanfaron de Ousmane Gawal. On vous a déjà dit la mission. Voilà. Maintenant, la famille, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, quand je dis toujours les Sinani, là, c'est des villageois, les Diallo, les Sangaré, les Diakité, les Sidibé. Quand je vous dis vous êtes des villageois, vous n'écoutez pas. Vous venez d'arriver aux États-Unis. Vous, les villageois, vous êtes quittés en brousse là-bas. Vous venez aux États-Unis, c'est iPhone que vous voulez. Vous ne cherchez pas les téléphones, les petits téléphones Samsung et autres là. C'est iPhone que vous voulez. Alors, les Camara, les Bangoura, ils vont très bien ouvrir vos yeux ici aux États-Unis. Donc, ça, c'est pour nos compatriotes, beaucoup aux États-Unis. Il y a tellement de fake, les téléphones. Je vais vous montrer. Regardez l'image qui va passer devant vous tout de suite là. Regardez l'image. C'est iPhone, on dit 15 sorties de papier. Mais regardez dedans, c'est genre Android qui vous... Regardez le téléphone. Vous voyez bien, c'est l'installation de Android et qui ne vaut absolument rien. Mais quand ils viennent, ils vont vous dire, ah, il y a un téléphone, hein, j'ai volé, je suis pressé, voilà, si vous voulez, donnez-moi 200 $, je vais vous donner, voici le carton, vous voyez, il y a même les écouteurs, tous ces écouteurs que vous allez voir dans les rues, c'est des fakes. Les montres, vous voyez, pour moi là, c'est original, c'est avec Aposto, j'ai pris ça là. Donc, regardez la suite, vous allez voir tout de suite. Vous avez vu le carton?
Vous avez vu le carton, vous pensez que c'est iPhone 15. Pourtant, c'est du fake. C'est du fake. Il y a les montres dedans. Regardez, même ce n'est, regardez comment ça plante. Donc, c'est beaucoup ici aux États-Unis. Vous, les villageois, les Sinani, là, vous n'avez pas dit que vous êtes des Gawa. L'argent que vous allez prendre pour aller mettre toll sur vos maisons au village là-bas, là, vous allez voir les bandits d'ici, là. J'ai dit les Kamara, les Bangoura, ils vont vous ouvrir les yeux ici parce que vous êtes trop villageois. Affaire de votre iPhone, vous allez venir, vous allez voir ça tout de suite, là. Pour dire, non, j'ai eu bon deal. Ce qui se passe à Conakry, là, à Safé, c'est ce qui se passe ici maintenant. Ils ont envoyé beaucoup de iPhone chinois, ça y est, partout aux États-Unis. Vous qui venez d'arriver là, si vous dites que vous allez voir deal que vous faites à Conakry, vous voyez les gens en corner, ils vont vous dire, c'est fini pour vous. Je vous dis, vous les villageois, Sinani là, faites beaucoup attention. Parce que moi, je vous aime. Donc, je fais le live là pour vous avertir maintenant. Parce qu'on est en train de taper les dialogues actuellement, les Sinani. Quand ils voient ça, ils sont contents. Il y a un qui était content, qui dit, hey! Vous avez vu, c'est au magasin de mon beau comme ça. Il était content. Le Sinani était content. Il est venu, il dit, hey! Il dit, non, j'ai eu bon deal. Deux montres, il est venu net. Nous-mêmes, quand on a vu ça seulement, on dit, j'ai dit, Sinani, là, on t'a tapé mal. Deux montres, Apple, les écouteurs Apple, un iPhone et quoi d'autre là même. Il est venu tout qu'au $250. J'ai dit, bon, tu vas envoyer ça aux gens du village là. Tu vas envoyer ça à Senko là-bas. On va donner ça à quelqu'un à Senko. En tout cas, ici là, ça ne va pas marcher. Donc, vous devez faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Parce qu'il y a des gens ici, ils sont forts. Vous allez penser que c'est iPhone, c'est pas iPhone. Et le système à l'intérieur, ce n'est pas du tout bon. Donc, j'ai dit que dans ce live, je vais vous parler de ça. Donc, vous aussi, passez le message. Dites à nos compatriotes ici, s'ils voient des gens dans les rues vendre les iPhones, de ne pas acheter. C'est du faux. Ils vont mettre leur argent dans l'eau. Écouteurs bas, montres bas. Vous voyez le modèle là, les derniers là. Vous allez voir ça avec eux. Vous pensez que c'est même chose. Ça ressemble, mais c'est totalement différent. Ici, là, tu n'as même pas besoin. Tu peux aller dans les compagnies ici. Prendre téléphone, tu payes petit à petit. Et il y a garantie là-dessus. Moi, mon téléphone, ça va se gâter tout de suite. Je vais à Apple. Il y a garantie là-dessus. Je vais souvent 5 francs. Je ne paye pas. Tantôt, ça dépend de l'assurance que tu as mis. Tu peux aller, ils vont te demander seulement $100. On te donne, voilà. Un nouveau téléphone. Mais si vous dites que vous allez faire comme, voilà, à Conakry, là, ils vont vous taper. Actuellement, beaucoup commencent à se plaindre. Parce que le plus souvent, les gens là sont très intelligents. C'est nous, les Africains, surtout les Sinani, qui aiment choses faciles. Les Diallo, Sangaré, Sidibé, Diakité, là, eux, tout ce qui est cadeau, là, ils veulent ça. Actuellement, ils sont en train de laver, on est en train d'ouvrir leurs yeux actuellement, là. Comme ils viennent d'arriver, c'est des Gawa. J'ai dit, c'est nos parents qu'ils visent. C'est nos parents qu'ils visent le plus souvent parce qu'ils savent qu'ils aiment tout ce qui est moins cher, là. Et quand ils le font, eux aussi, tu les vois prendre l'argent vite, vite. Ah, j'ai eu un bon deal. On t'a hier écouté que tu as eu bon deal. Quand tu vas arriver à la maison maintenant, tu vas comprendre qu'on t'a trompé.